Et l'éclipse sera totale à quelques endroits au Québec. L'un de ces endroits est Saint-Georges, en Beauce. Élie est sur place. Il y aura un impact, Élie, économique dans la région. Assurément, Véronique, parce que, bon, certains d'entre vous s'en rappellent, je n'y étais pas malheureusement, mais la dernière éclipse totale visible du Québec, ça remonte à 1972. C'est donc dire qu'il y en a plusieurs qui attendaient cette journée. On l'a vu entre autres hier avec des passionnés, mais cette journée du 8 avril. Et effectivement, ici, Saint-Georges, en Beauce, l'éclipse sera totale pendant une durée d'environ 2 minutes 30. Donc, beaucoup de personnes déjà ont planifié de se déplacer dans la région. Il faut ajouter aussi des personnes qui avaient prévu, entre autres, d'aller du côté des États-Unis, ailleurs au Canada. Bien, certains d'entre eux sont contraints, n'ont d'autre choix que de venir ici dans la région à Saint-Georges pour pouvoir observer le ciel, voir clairement cette éclipse qui sera totale. Je me suis rendu aujourd'hui, il y a quelques minutes, entre autres, dans ce motel que vous voyez derrière moi, le Comfort Inn à Saint-Georges, le Saint-Hubert aussi, pour voir un peu comment on s'arrange. Vous ne serez pas surprise d'entendre que ces endroits actuellement sont complets en prévision de l'éclipse. Bien, ça va très bien. On affiche complet depuis quelques jours, là, très contente. On voit l'effervescence un peu. Le monde continue d'appeler. Malheureusement, si on aurait plus, on pourrait, mais c'est complet. On sait qu'il y en a plusieurs qui vont s'installer déjà dans les stationnements déjà prévus à cet effet. Tout au long aussi, on est pas mal dans la partie. On a du va-et-vient pas mal des villes aux alentours. Le monde va passer ici pour monter au Mont-Mécantic, ceux qui montent de Québec. Tout fait qu'on... On a mis plus de personnel. On prévoit avoir plus une plus grosse journée. Ça, c'est sur la livraison bien, dans la salle à manger. Alors, comme le disait M. Bégin, Élie, on se prépare à cette forte affluence. Oui, parce que demain, il y a justement un rassemblement qui va être organisé ici à Saint-Georges. Combien de personnes exactement y seront? Impossible de le dire. Je rencontre l'organisateur un peu plus tard, mais chose certaine, il y aura 12 000 paires de lunettes de protection qui seront remises demain. Mais combien de personnes? Impossible de savoir. Mais pour le maire de Saint-Georges-de-Beauce, c'est une excellente nouvelle. Ça va être une bonne chose du côté économique. Et aussi, les gens qui sont présents ici à Saint-Georges vont pouvoir profiter de ce moment unique dans une vie. C'est beau de voir cet engouement. Merci, Élie. À plus tard. Oui, plaisir.